SOS, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour toute équipe Magic là, et moi salut, non? Et bonne journée et bon travail. Merci d'être disponible pour nous, CSPJ et public au procès-verbal, après que le final analysé le dossier et juge qui a été soumis à la commission de certification. Il y a 30 juges qui n'ont pas certifié, il y a 30 autres juges qui certifient. Un commentaire NDDH sur la décision ça. Le nom de l'ISLA, pour nous-mêmes, en pile mon nom d'ailleurs, et puis il faut là d'ailleurs, ça est nous. Qu'on est déjà dans le cadre de travail, dans le comportement dans le système, et nous sommes capables de dire dans l'ensemble que le CSPJ a fait un bon travail et il y aura une nation un beau service. Et nous féliciter. Et ça est capable de vivre et capable de gagner des juges qui estiment que eux-mêmes remplir toutes conditions dans le cadre de travail pour être certifié, eh bien, moi-même, m'attendais le président Anamara, qui est le juge Wilner Morin, qui dit qu'il a demandé le CSPJ à son audience. Il a parlé de peut-être deux ou trois juges, même s'il n'a pas cité nous, moi qui est-ce qu'il a parlé, et il dit, et il a parlé avec eux pour regarder ce qui est passé dans le cadre et nous sommes capables de dire. Et depuis l'existence de CSPJA, et juillet 2012, c'est la première fois que nous avons eu CSPJA et la nation un service dans le cadre et travail. On sait des acteurs en chaîne pénale, on sait des juges qui étaient tout puissants, qui estimaient qu'ils étaient intouchables, et bien, ils arrivaient et touchaient eux. Mais c'est des juges. Et en pile là d'ailleurs, qui a un dossier déjà, qui CSPJ, qui a une transaction et contre et mise en disponibilité, les retourner, ils continuent plus raide par rapport avec accointation dans le système, nan, par rapport avec l'influence, par rapport avec les gens tout puissants. Donc, la justice haïtienne, là, ils jouent un rôle extrêmement important dans le climat impunité avec corruption dans le pays. Et même question d'anxiétisation. C'est inacceptable, sorti de 2018, pour arriver aujourd'hui, RNDDH seulement, nous documentons 19 massacres qui fait dans la zone métropolitaine. À l'exception des CPJ qui mettaient à vie des recherches et contre bandits, et massacres, attaques, et kidnappement. Tout ça nous rend en sécurité, bandits à exécuter le monde. La justice là est par exemple engagée aucune poursuite alors qu'il y a une plainte qui est déposée et tout le monde voit ça qui a passé. Même si il y a une plainte, mais tout le monde voit. Par exemple, et les et bandits à exposer les armes après menace, eh bien, le commissaire gouvernement, par exemple, l'autre bagaille, c'est mettre l'action publique et en mouvement. Ça nous a pas dit, et on le fait encore, et chapeau bas. Et pour CSPJ, nous félicitons pour le travail là, pour travail ça qui est offert. Et ça peut être capable de faire l'autre magistrat, ça qui est dans le système là, et ça prend lui ni yo, parce qu'il y a plus de vide gougnard, ça prend lui ni yo. Et il y a bien la loi comme boussole et dans quatre travail. Parce okay. Que journée et jour, il n'y a pas aucune garantie. Et garantie judiciaire pour citoyens et vraiment et c'est un début et nous félicitons. Où dit qu'il y a des magistrats yo épinglé là qui jusqu'à présent étaient estimés étaient intouchables dans le système là ou ka bailler quelques noms. Bon ça ouais pas vouloir citer non et parce que j'aimerais dire et majorité moun yo et que nous-mêmes nous connaît nous travaille et sou yo c'est moun qui fait objet de scandale que et dans juridiction Port-au-Prince et particulièrement juridiction Port-au-Prince quoi des bouquets et moun connaît il y a des dossiers qui montent il y a moun qui n'a volé caï moun il y a moun n'a volé bien moun yo procès moun yo et le conseil des richesses et on sait des biens qui est pas capable de justifier yo parce que
et messieurs dames et dans CSPJ et dans inspection judiciaire dans certification de travail oui et yo travail yo déplacé yo rencontre moun yo kon sa faire comme travail yo kon travail mm-hmm. Donc m'pa pral citer non OK yo déjà dans l'islam pas besoin citer non moi une majorité yo là gen moun qui a observé et fonctionnement appareil judiciaire là il dit 30 juges non certifiés sont infime partie et dans valeur juge qui a fait des ordres dans appareil là qui sont qui répondre par rapport à ça. Oui, yo correct, oui. Mais ça, ouais, dans la justice, ça, il y a des gens qui sont honnêtes. Et, mais, puis, fort magistrat, yo, pas bon. Et, mais, son débit, son travail qui commence, c'est quand même, et, yo manque moyen, et par rapport avec Jean Etat, il y a il faut faire enquête de proximité, etc. Son débit, yo commence avec 30, et peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, encore, yo pas pour 60, yo pas pour 15, yo pas pour 20. Et, moi-même, et ça qui est important, et société a faut que accompagner yo et moun ki victime yo j'ai toujours fait dans plusieurs cas yo déposé plainte et continuer déposer plainte et me penser que et avec ça qui là ça met et victime yo justice a plus en confiance et là on dans des situations côté que juge a déchet pile yo volet bien assez yo fait yo abus et là ça et yo et connaît qui côté pour y aller par exemple yo ka toujours passé dans l'organisation droit monde, organisation droit monde ka accompagné pour aller dans CSPJ. Et yo ka aller tout directement côté CSPJ. Donc et voilà, c'est ça yo, petit exemple ça qui ka fait citoyen yo commencer gain confiance mm-hmm. et appareil justice. Là pareil. Yo pas comment être seul coup. Mm-hmm. Oui. Dani. Oui, moi j'ai une question pour monsieur. Moi j'ai une petite question pour monsieur Espérance. Bonjour, nous bien content gagner dans l'émission matin monsieur Espérance. Dans l'islam, bonjour monsieur Espérance. Gagne qui dit c'est monde qui a un problème qui est scandale, gagne c'est monde qui a un problème moral, gagne c'est parce que participer dans libérer bandi. Et maintenant ça n'a vivre là les moi on juge mettez bon côté non ou t'es participé dans libérer bandi moi première question me pose tête moi si c'est documenté après au fin mettez au deux en appareil judiciaire là qui côté placé est-ce que c'est pas derrière quatre mirailles ça c'est bon question notez pour me réponse maintenant gagner dans liste moi ouais si me trompe Dani monsieur Espérance et monsieur Célestin et de me corriger. Gen yon juge, mwen kwen se juge Ramon Sitaksime. Mwen kwen l tap instoui yon dosye ki ekstremman important pou peyi aktive se pou nan libe ya. Voilà. Ou te fè plizye komantè sou sa. Mètnen lè, anteryèman a komantèryo, nou vin wè ke se espèji metèl deyo paske li gen problem. Maintenant, qu'en est-il de ces dossiers qui sont d'importance pour le pays? Le ne connaît que magistrat qui a traité la Jodia, son magistrat qui pas honnête, qui a un problème moral, et nous présumer que lui t'a mal travaillé sur dossier ça. Qui ça peut vous faire qu'on y a avec dossier ça? Ok. Nous avons pris un exemple ça, et comme je ne connais pas dans le temps, mais si nous voulons demain matin, nous avons pris le temps. Nous avons pris l'autre jour la semaine, mais ça ne nous a pas. Pas de problème, pas de problème pour demain matin. Et exemple Ramon Sit là. Quand Ramon Sit et Charles Kenapi, c'est scandaleux. Mais attention, hein? Non seulement nous dénoncer, mais bon, l'autre organisation de l'OAMON, qui c'est FJKL, nous faisons un rapport sorti pendant l'année 2020. Un rapport bien documenté, avec un peu d'informations sur la richesse que le magistrat ça et bien qu'elle possédait, et que côté qu'elle n'est pas capable de justifier. Document ça là. Mais les CSPJ a fait enquête. Ils ont allé vers l'organisation de l'OAMU. Ils ont allé vers la justice. Et ils ont fait des enquêtes et de proximité côté qu'ils ont ramassé et une série d'informations qui permettent de prendre une série de décisions. Donc, qui a qui s'est fait la justice et l'organisation de l'OAMU, CSPJ a fait le travail par eux. Ils sont capables de porter au parti civil pour tout tort qu'ils ont fait. Et dans la société. Et nous-mêmes, dans la RNDDH, nous discutons ça hier après-midi, nous parlons pour nous porter contribution et dans ce sens. Parce que nous-mêmes, nous ne parlons pas en l'air, non?
n'a bataille pour société non chita son état des droits, n'a bataille pour contre impunité et contre banalisation de la vie, monde contre corruption et la justice haïtienne là joue un rôle extrêmement important dans maintenant dans ça nous est là. Donc et dans ce sens ça faut justice à bio Corée et CSPJA faut organisation de la société à pour CSPJA pour capable et continuer et faire travail et pour et vraiment yo capable de débarrasser des délinquants dans appareil justice. Cas ça sont cas emblématiques dans notre contexte de communauté internationale là, notamment le Canada a structuré des monde pour corruption, gagné des personnalités politiques de haut plan, gagné des anciens parlementaires et de haut plan qui là maintenant on a cherché qu'on est est-ce que dans la documentation par exemple pardon? Par exemple institution ça ta coup BAS et DCPJ ta coup ILCC ICREF et société a organisation dans société a yo gen rôle pa yo pour jouer après et yo rive gen rapport ça nan men yo sou et comportement moun sa yo procéder implication dans blanchiment d'argent dans corruption et dans malversation. Oui, mais dans cas ça yo pour me tourner sur Petrocaribe sur des personnalités qui sanctionnées et société a tapement des comptes comme Petrocaribe a passé, tu gagne des grosses mobilisations populaires et dossier a allé dans cour supérieure des comptes là n'a pas tant de parlement pour juger monde qui c'est des élus qui justiciables devant le parlement mais entre-temps à la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif on attend et jugement de monde qui justiciables devant lui maintenant dans juridiction de justice de droit commun a te gen dossier acte nan main juge et Ramon Sedaxi mais qui fait traitement ça le fait avec l'IA maintenant préjudice qui causé à pays a toujours existé notamment dans mauvaise utilisation de fonds Petrocaribe parce que nous toujours continuons à payer service de la dette là jodi a avec plus sérénité et en considérant que l'international est campé vent debout aujourd'hui peut-être un peu tard mais finalement campé contre la corruption que CSPJ aide société a documenter et mettez à côté une série de monde qui causait le préjudice parce que c'est des juges qui tapent et fait des zones. Je dis à de manière sereine et responsable, est-ce que les Petro Challenger, les organisations de défense des droits de l'homme, les associations de la société civile, pas doué ramasser bataille contre la corruption parce que la corruption est corrosive et l'y participer dans maintenant ça n'est là tout aussi bien que l'impunité. Mais Vitando, c'est ma dernière question, Monsieur Spears. Bon, nous même organisation droit moun yo et na RNDDH nous fait travail ba nous. Nous ramasser et cause impunité a, cause corruption et cause banalisation la vie moun impunité qu'on gagne dans pays a. Malheureusement, les wap et comme organisation droit moun, on fait des documentation, on fait des dénonciations, on y a au besoin institution yo tant que la justice pour faire travail pa. Malheureusement, et yo pas fait travail pa yo et on dossier tant que dossier Petrocaribe a. C'est pour nous reprendre. Le dossier, c'est pour nous reprendre, pour le grand logi qui souligne pour, et il aurait commencé à zéro parce que ça a mon site fait, il était en bas, il vente pouvoir, et c'est gaspiller le dossier, grand problème du monde, gaspiller le dossier. Et ouais, en 2021, et sa journal et Moïse fait, et il prend, on décret côté blanchi tout le monde qui est impliqué dans le crime financier ça les décider par toute décharge mais dossier mais monde qui fait accord avec docteur Ariel Henry yo accord 11 septembre là en pile là dans que il y a bataille peut-être il y a bataille pour venir faire super trop arriver au moins il va faire rentrer décret ça ou pas faire mais et c'est une bataille et donc et population hein, et organisation droit moun yo société a justice yo Petro Challenger yo gen zouti Dani entre seconde mettez-vous un peu très rapidement moi tant des commentaires de commissaire Lafontaine de commissaire gouvernement tribunal première instance de Port-au-Prince une napigo si ce n'est pas pigo juridiction il dit c'est deux moun nipère c'est Jésus et c'est Jésus avec Ariel Henry. Il dénonçait des corruptions qui étaient là et corruption qui ministre ancien ministre de la justice, corruption de Bonan dans CSPJ. Vous comprenez commentaire monsieur Spears? Moi même m'a dit mon CSPJ pour travailler avec sérénité.
pas répondre et monde qui a dit un paquet de bagages sur vous après au fin font travail sur ça. Il y a si un monde qui senti léger, vous connait ça pour faire mais pas c'est pas monde après répondre monde qui est désespéré. Moi attendez commissaire et il y a parler, il attaque tout le temps puis tout le temps. On pas répondre sur ça. Ça qui est important et réalité à là. Bilan est là. Bilan par l'autre bagaille, nous avons un système judiciaire qui est au service bandit, au service délinquant, qui n'est pas protégé la population, qui va où ça va où. Qui me fait, oui? Bonjour. Non, avant de répondre à une dernière question, qui s'est changé dans l'appareil judiciaire là? Puisque jusqu'à présent, et juste ça, j'en m'inquiète, mais là, 30 juges non certifiés, c'est beaucoup dans l'appareil judiciaire là. Une dynamique qui a changé rapidement? Oui, moi pense que il y a un effort qui fait depuis environ 2 ans et au niveau CSPJA et par rapport avec l'inspecteur judiciaire et monde qui l'a dans l'eau de monde qui capable de travailler et qui compte mener enquête et c'est pas travail ça c'est bon travail qu'il a aujourd'hui à son travail qui commence à faire et enquête ça en pile dans monde ça depuis 2020 et nous en 2023, il est sorti. Merci beaucoup. KBFM, bonne journée. C'était Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH.